Bonjour les amis, voilà nous sommes ici avec Gypsy, un petit coton de Tuléa, un chien donc d'origine de Madagascar. On en trouve beaucoup à l'île Maurice, aux Comores, à La Réunion et maintenant en Europe partout. Bonjour. Alors je dois pas vous aider, non? Comment? Je dois pas vous aider. Attendez. Là, de loin, je ne peux pas. Et moi, j'ai peur des chiens. Alors, faut pas rentrer ici si vous avez peur de chiens. C'est un bon conseil. Je cherche un petit jouet pour. Non, là, je suis très occupé. J'ai ce chien-là. Et puis, j'ai ce chien-là à toiletter. Tout à l'heure, dans l'après-midi. Ah non? Moi, je prends. Désolé. Tout de suite. Désolé. Là, je suis très pressé. C'est la première fois. J'ai l'habitude de venir ici, mais c'est la première fois que j'entends dire ça. D'accord. Désolé, ouais. Madame. Ouais. Il est attaché. Non, mais il dit qu'il non je ne peux pas vous faire entrer. Vous avez vu, la porte est barrée. C'est tout un travail pour vous faire entrer. Sinon, les chiens peuvent se sauver. Non, c'est pas que je ne vais pas vendre, c'est que là, j'ai bloqué. Voilà. Bon, alors, ils ont peur de chiens. Fallait pas me le dire. Ici, on travaille avec des amoureux de chiens, n'est-ce pas, les toutous? Alors, je reprends la chose. Voilà, Gypsy. Un petit coton, donc je redresse sa robe. Là, le chien il est comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté que j'ai retrouvé comme ça. Voilà, donc je vais poser cette coupe là. Je vais travailler et après, on aura une deuxième vidéo pour faire la finition. Je commence tout de suite. Ça va, Gypsy? Pas trop compliqué. Alors, Gypsy, il faut que je le dise, c'est son premier toilettage ici. C'est un chien qui, normalement, n'est jamais venu, il ne me connaît pas. Et pourtant, regardez comment il est gentil, il se laisse faire, il ne bouge pas. Allez, Gypsy, courage.
on fait une préparation, une pré-coupe, parce que ça fait beaucoup de choses à imposer. Surtout que le poil n'a pas été coupé depuis longtemps de cette manière-là. Il ne se tient pas. Alors après ça, on va faire un bon shampoing et un après-shampoing pour regainer le poil. Debout, gypsy, gypsy. Allô? Très bien, madame. Ben, tant mieux. Oui. Est-ce que je peux vous déposer Cookie vers midi? Oui. Vous revenez la chercher avant 5 heures après. Hein? D'accord, ça marche. Voilà, tout à l'heure, madame. Mais prenez pas trop de retard, hein, d'accord? Non, non, je vais m'appliquer. Allez, à tout à l'heure, madame. Merci. Merci. Au revoir. Alors, voyons. On a refait une forme à la queue. Beautiful. On refait bien la forme. Tu peux te mettre dans toutes les positions, ça va être joli. Tu vas voir. Comme ta maman m'avait dit, tu es adorable, le toutou. Thank you.
Reste la tête, bonhomme. Voilà, les deux côtés se ressemblent presque. On fera la finition après. Et là, on va faire la tête. Ce côté de la tête est formé. On va former l'autre côté. On ramène tout ça sur l'autre côté. Mes cheveux se rendent compte de ce qui se passe dehors. Il se passe rien. C'est des gens qui passent. Voilà. Allez, retourne ici. Tu veux voir s'il y a des filles qui te regardent? Il y en a plein. Open, looking at your eyes.
took in my life. Le poil a beaucoup d'électricité dedans, statique. Quand on va faire le shampoing, ça va changer. Ça ne tient pas, ça vole dans tous les sens parce qu'il y a de l'électricité dans l'air, comme on dit. Bon, allez, on va au bain. On viendra faire la finition après pour Gypsy. Donc on se donne rendez-vous dans la deuxième vidéo, les amis. À tout de suite.